Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre let's play de Lies of P. Allez, on va essayer d'avancer un peu. Bon, logiquement, j'avais fait tout ce que j'avais à faire. Je peux pas booster beaucoup plus mon personnage. Ouais, je crois que je suis à fond. Hein. Je crois que je suis à fond. Alors, allons voir ce qui se passe. Tiens, on va aller chercher... Ah bah non, j'en ai qu'un seul. Oui, ça fait 3-4 jours que j'ai pas joué. Donc je sais plus exactement où est-ce que j'en suis. On va aller à la galerie. On va aller à la galerie. On avait ouvert quelques portes. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Et surtout, il fallait aller plus profondément. Mais ça va pas être simple, hein, parce que... Ouais. Les personnages étaient assez agressifs dans le coin. Peut-être changer de bras de légion d'ailleurs. Prendre celui-ci. Ah, je sais plus. Là, je sais plus. On avait réouvert une porte. C'était pas ça. Oh, elle est jolie ça. Tu meurs quand tu veux en fait. Tu meurs quand tu veux sans compter le fait que de toute façon ça servait à rien d'aller là, donc voilà. Bon. On va retourner ici donc. Puis on va aller tout droit. Hein. Ouais, donc ce soit ça. Il y en a qui vont popper, ça je le sais. Amène-toi. Merci, je suis mieux. Après tout, ça sera pas plus mal comme ça. T'as réussi à m'en placer une. Et à vous en placer une, en fait, elle vous bouffe la moitié de votre vie, quoi. C'est toi qui gris. Alors, c'était là, puisqu'il y a cette porte qui est ouverte, et là, on peut descendre. La saleté, il est là, lui. Ici, on a des mobs qui vont tomber. Et toi, là-bas, est-ce que je peux t'attaquer? Ouais, je vais t'attaquer. Parce que c'était ici qu'il fallait descendre, en fait. Ah ouais, il y avait toi aussi. Oh, t'étais dur, toi. Toi, je me souviens, t'étais très dur. T'es un gros zélite, toi. Hein. Un vilain zélite. Est-ce que je suis obligé de me cogner, là? Ouais, je suis obligé, là. Écoute,
super mon histoire. Il a déjà vu. Lâche-moi. Putain, c'est pas vrai. Tu meurs pas là. Il m'a bouffé toute ma vie encore, lui. C'est pas possible. Bon, par contre, il nettoie. Ça, c'est le gros avantage, c'est qu'il pète les trucs. Il est trop puissant. C'est vrai que je comprends pas vraiment leur système. Ils ont tendance quand même à placer des mobs beaucoup trop puissants là où il faudrait. Pas. Mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Bicette, le dire l'autre. Il suffisait d'esquiver, après tout. Oh, on a tué tout le monde. Alors, on est où là? Raté, super. Concert de la maison de charité. On regardera ça après. Allez, toi, tu vas essayer de repasser devant. Je vais essayer de te choper quand tu passes. Parce que je pense qu'il va y avoir du monde. Là, ou alors tu passes pas. Et je vais arriver, il sera juste là. Non, c'est bon. Ah ouais. Évidemment. Ah, c'était quoi cette histoire de concert là? C'est dur là. Quoi? Donc quand est-ce que j'ai chopé ça avec le conseil? Il est où conseil? Tac 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 tac. Et voilà. Vous êtes tous conviés au concert de la maison de charité Monade. La centrale, la galerie d'Orizzini, parrainage, Isabelle et Sophia. Tu pourrais être défavorisé, tu parles. On va me faire éclater, moi. bon. Toi, tu serais mieux. T'es bien mieux, toi. Rajoute 4. C'est bon, ça. Ah bah, et puis alors, sincèrement, j'en ai besoin. Hein. J'en ai besoin. Là j'ai quoi? Je vais pas pouvoir ouvrir. Je suis en train de me décomposer en plus. Moi qui croyais avoir passé les niveaux de poison, on y est encore. Hein. Ha! Ah, c'est encore un gros, c'est pas vrai. Saleté de gros. Ils sont énormes ceux-là. Ils sont énormes, ils vont m'éclater. Faut peut-être que je me prévoie quelque chose, moi. Un peu de flamme, peut-être. Thermite, là. On attend qu'il passe, mais... pouvoir me le faire lui, hein. J'ai pas ce qu'il faut là. J'ai pas assez de vie, hein, vu ce qu'il m'a fait mal tout à l'heure. Il est très loin. Ah, c'est pas vrai. Tirons-nous. Tirons-nous là. Essaye de m'oublier, sois sympa.
Ah, on va se la faire à la lâche, hein, parce que... Il est solide. Par contre, il a bien pris. Hein. Il a quand même très bien pris. Il est où? Ah, ils sont deux. C'est pas possible. Et évidemment, j'ai pas pris mon canon. Tire, tu fais quoi? Tire-toi, tire-toi, tire-toi. On va faire la technique du lâche parce que là, je peux pas me permettre de faire différemment. Oh là là, regarde-moi ça! C'est pas possible. Ah, ils sont énormes, ils sont bien foutus. Mais là, si je fais que ça à chaque fois... Ah mais non, mais oui, mais... Je savais pas que t'aurais été aussi vite, moi. Ah, tu descends, là? Ah mince. Ah, ça m'arrange pas. Je fais mal pourtant, c'était pas mal ça le... Ah, je vais garder les flammes pour le prochain parce qu'il y a le deuxième aussi. Hein. Ah regardez ça, il est ultra violent, si je le foire là, il me flingue quoi. Faut être patient. C'est un peu la technique du traître, mais là, j'ai pas tellement le choix. Hein. J'ai pas tellement le choix. Qu'est-ce qu'il y a à voir par là? Parce qu'il y a lui, certes, mais... Ah,
Ouais, tu m'as vu toi, mais... Ça va être long, là. Oh là là. D'ici que... Ouais, voilà, d'ici qu'il s'arrête pas, lui. Bon. Eh ouais, j'aurais mon canon, mais quelle âne ! On va changer là. Il y a combien de points de vie ? Vous êtes sérieux là ? Il y a 10 000 points de vie le machin ? Je balance du 400 quasiment. Ça c'est ridicule. Je vois pas l'intérêt. Et pourquoi en avoir mis deux? Je pense qu'ils doivent certainement avoir leur petite technique pour les tuer, je suppose. Surtout si c'est pour qu'on se les fasse comme ça en fait. Je vois pas là. Ça fait pas beaucoup plus de dégâts en plus. Ça m'en fait pas plus en fait. Pas l'intérêt. Là j'ose même pas imaginer ce qu'il doit faire là. Et vu les bras qu'il a le machin. Quand il vous chope comme ça là, ça doit être violent. Fasse gaffe quand même, parce que... Mais bon, on y va doucement, hein. Aucun intérêt ça. Ça c'est dommage hein. C'est bien dommage ma foi. Fragment d'ergot. On va continuer.
Et je me demande si, par contre, ils sont pas... s'ils prennent pas cher face à ces mobs qui tombent. Parce que là, on va avoir des surprises aussi. Hein. Voilà. Alors, essayons de faire attention parce que j'ai plus de vie du tout. De toute façon, maintenant, ils font tellement mal quand ils frappent que... Une, ça suffit pas. Ah, c'est chouette, là. Quelle porte j'ouvre. Ok, on revient là. Parfait. On va juste regarder ce qu'il y a là. Les toilettes. Scandale. La tragédie derrière les flammes. On a plus de place au niveau des livres. Qui est 5. Et pourtant, ils sont encore moins nombreux à connaître la tragédie de sa jeunesse. Prince héritier de la haute société, l'homme qui a inventé le grand contrat des marionnettes automatisées et construit la meilleure manufacture à l'âge de 18 ans. Ouais, toi, t'es mon nouveau boss. En fait. Il va y avoir un truc là, il va y avoir quelque chose. Il m'étonnerait que ça soit anodin ça. Le fameux 5. Alors on est arrivé par là. Ah! Il y a mon poteau qui est là. La clé du passage souterrain est ici. Et là toi t'es... Bah oui, t'en peux pas. Ah si, t'en peux. C'est déjà beau, ça. A lost visitor or a looter who's arrived? You look like a stalker. I figured you were all dead. Stalker, visitor, looter, I don't... Ce qui est bizarre, c'est que toi, tu me reconnais pas en fait à chaque fois. Par contre, t'as une nouvelle arme avec un dé comme d'habitude. C'est pas un truc pour moi. Par contre, ici, t'as augmentation de la résistance à la fracture et à la disruption. Voilà. Et bon, on prend. Et on prend tout, on a dit. Par contre, t'as de quoi faire exploser les choses, et ça, c'est bien. Là, on va être copains, tous les deux. Parce que je m'aperçois que ça, là, c'est ce qui va sauver ma vie. Ouf. D'accord. C'est bien pratique, cette histoire. Ouais. Il y avait une salle que je devais ouvrir, que j'ai pas pu ouvrir. Je me souviens plus où elle est, et vu que tout le monde est mort... Je vais essayer d'en profiter. Allez là-bas. Ouais, non, ça ouvre juste la suite. Et un boss, enfin un mob supplémentaire. Donc... Puis toi, t'es évidemment pas tout seul en fait. Putain, le vieux piège. Ah, le vieux piège. Le double.
T'as réussi à en placer un, mais c'est pas possible. Je suis venu là juste pour vérifier. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Une autre porte encore. On est en train de tout ouvrir, hein. C'est bien. Oh! Putain, mais vous avez rien eu 4 à chaque fois, je le sais. Et à chaque fois que je me fais gratter, quoi. Il y avait quoi là-bas? D'accord, c'était juste l'extérieur. Ouais. C'est sur vous. Ça, ça peut être intéressant par contre. Bon. Écoutez, on a encore fait un joli petit tour, même si on a quasiment pas avancé à cause de ces gros mobs là. Mais bon. L'avantage, c'est que maintenant je saurai à peu près où aller. Je vais directement descendre par là. Enfin, quoique, je sais pas. On va changer de bras de légion déjà tout de suite, parce que la seule fois où je change, il fallait pas le faire. On n'a rien qui puisse nous permettre de faire plus de dégâts, pas encore. De toute façon, je suis à 4500. Ouais, ça donne combien? C'est à 300, c'est de la merde. Pardon. Ça, c'est pas terrible. On est bien d'accord quand même. On va se tester quand même l'arme. Ah ouais, elle est cool. Bah ouais, ça aurait mérité de la force, ça, de la mobilité. Mais non, évidemment. C'est exactement ce que j'ai pas. Ah, oh, c'est électrique en plus. C'est violent. Et là, j'y ai pas accès. Voyons voir ce que ça va nous donner sur... attendez, c'était par où qu'on descendait? C'était par où? Ouais. Toi t'étais là. Ah ouais, bah y a les cocos qui sont là. Quoique, je vais vérifier un truc. Parce que ça pourrait être intéressant au niveau du... Ah, évidemment je le touche pas. Pour farmer, on va regarder. Viens là pour voir jusqu'où tu vas en fait. Ah, sois sympa, allez, reviens. Ah, ils viennent tous en fait. Ouais, allez-y, venez, venez. Ah, il faut que je la monte celle-là. Tu reprends ta vie toi? C'est cette histoire là. Bon. Ouais, 400. Ça attaque l'électricité, c'est quand même pas mal. Alors nous, on revenait ici. Ça, c'était une belle chose. Ce qui fait donc qu'il faut aller de l'autre côté. C'est ici qu'est la bande sortie, alors.
par là. Je sais pas toi qui c'est qui gueule, pardon. J'entends râler, voilà, c'est ça, là, tiens des moments. Là. D'accord. Je les entends de partout, quoi. Je les entends de partout. Bonbonne de décharge électrique, et toi t'es là? Ouais, c'est remis à décomposition par contre. Hein. Plus grand spectacle arrive au monde, d'accord. Du monde arrive, pardon. Pierre de croissant de lune. Tu vas casser quelque chose ou quoi toi? Non? Et toi? Ils vont se pointer. Oh putain! Le coup de flip! Haha! Pas assez rapide! Ah non mais... Ah mais il y en a plein. Oh mais c'est pas possible, il pop de partout en fait. Oh là là. Oh. Ils ont popé de partout. On a compris que vous vouliez nous tuer, mais je crois que vous êtes un peu à fond là. Vous forcez pas à faire un jeu aussi dur en fait. Là c'est quand même dommage, lorsque vous subissez une fracture... oui, j'ai pris un truc contre la fracture. Enfin, je m'attendais pas à ça non plus, quoi. À l'inverse. Sérieusement, les gars. J'ai pas trouvé ça un peu trop violent. Hein. On peut pas les tuer en avance en plus, on pourrait à la limite, mais faut pas le faire, donc faut pas le faire. Ils sont cool sur certaines choses, mais alors sur d'autres, lâche. Alors on sait que tu vas popper en plus. Ça va, les autres vont pas se planter. Super. Très bien, donc comme ça les autres vont se planter. Bah je suis désolé mais on est obligé de jouer comme ça. C'est dommage hein.
Je vais passer point de vue. Ouais, voilà, il est pas mort. Et je lui ai balancé 30 000 coups, enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est dommage que tu deviennes comme ça. Je suis un peu triste, hein. Je le trouvais génial. Mais là, des mobs increvables, c'est quoi l'intérêt en fait? Ça n'a pas d'intérêt. Si, vous forcez à faire des parades parfaites, mais est-ce que votre jeu, ça doit être qu'une histoire de parade parfaite? Enfin, ça doit être un système de jeu, la parade, c'est tout. Ça doit pas être une obligation. Ah, je suis un peu déçu, là, par ces mobs increvables, puisque il y en aurait qu'un. Ouais, pourquoi pas. Là, il y en a 12, et il repop. Donc, on va peut-être arrêter de faire n'importe quoi, là. Eux, en plus, ils vont se pointer après. Alors, il faut aussi, ce qu'il faut faire, c'est acheter des trucs, là, puis les balancer à tour de bras. Ouais, super. À force de faire une sorte de... Enfin, de pas comprendre que les Souls, c'est pas qu'une histoire de dureté, en fait. Parce que ça a jamais été ça, en plus. Casser. Hop là, on va faire un peu partout. Les autres vont arriver normalement. Et là, j'ai fait le tour, en plus, y'a rien. Mais en plus, c'est plus long, ça. Il se bat contre eux? Ok! Ah, puis ils font plus mal que moi! Évite de me tuer là, s'il te plaît. Ce serait gentil. Regardez, en plus, je me redonne de la vie. Regardez combien il m'en faut là. Et pourquoi là, il m'en a fallu. Ça a boosté à max et pas avant. Je comprends pas en fait. Alors toi, t'étais là pour t'occuper des autres. Bon. Certes. Il s'est l'air tout seul, je pense qu'il faut. Alors. Non, il fait rien. Il est beaucoup trop fort en fait. Il est beaucoup trop fort. T'as tout cassé, imagine. Machin, il est plus dur qu'un boss, quoi. Ça a pas de sens. C'est quoi, ça? Ah, ça m'énerve. Enfin, c'est pas le fait de mourir qui m'énerve, c'est que ça a pas de sens dans le jeu, en fait. Il y en a un qui a joué au jeu. Il devrait pas être si fort ici. Il devrait pas être là, lui. Pourquoi il est là? Pourquoi il est si balèze? À quoi il sert? C'est quoi l'intérêt? Il a même pas de nom, en plus. Il est juste immortel. Et moi, là, avec les dégâts que je fais, alors, super, je peux acheter mon jeu. Avec les dégâts que je fais, je peux pas
l'encaisser, quoi. C'est pour ça que c'est dommage, quoi. Enfin... plus on vient là, on essaie de le tuer, on sait pas trop à quoi il sert. À la limite, il doit avoir quelque chose sur lui. Je suppose que c'est ça. On va essayer de faire que les autres nous aident un peu. Après tout, les autres vont attaquer aussi. Regardez ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je suis en train de courir, il arrive à sauter et à m'abattre. Alors on va voir s'il va attaquer les autres, mais le problème c'est que les autres ils vont attaquer nous. Ah non, c'est bon, ils y vont. Ce qui est dommage, c'est que les autres attaquent à trois, mais... pardon. J'ai des protégés en plus. Regardez là, la vie qui bouffe, quoi. Putain! Amulette de chasseur, alors voyons voir ça. Pourquoi t'as été si compliqué, toi? Augmente l'obtention d'ergot de mort en éliminant des ennemis. C'est bien, mais... pff, ça valait le coup, là, vraiment? Ouais, ouais, on va voir. Ça va nous permettre de crafter. Enfin, là, c'est pareil. C'est histoire de dire, tiens, alors, vous allez pouvoir les crafter. Parce que, regardez... vous êtes à la ramasse. Et vu que vous êtes à la ramasse, allez crafter, perdez votre temps sur le jeu. Oh non, c'est dommage. C'est dommage. Je suis déçu parce que... ah oui, c'est vrai. Je sais pas où elle était, elle. Je suis déçu. Enfin après, j'aurais pas eu peur de lui, j'aurais attaqué direct. J'aurais pu voir tout ça, mais... quel était son intérêt? Pourquoi était-il là, quoi? Était-il là, pardon? Ouais, bah, on sent que le jeu, ça pue. Ah, voilà, ouais, super. 150 aussi, là. Tiens, pense à... aide-moi un peu. Ouais, voilà, c'est bien. Super. Non, par contre, il va falloir que j'achète des termites et des machins, il faut jouer avec ça. Et ça, c'est dommage. Parce que... on devrait, avec une simple épée, pouvoir se débrouiller, quoi. Alors, faut que je me teste maintenant, parce qu'il y a des grosses bestioles un peu partout, il y a toi, là. Tiens, on meurt. On sait jamais, c'est une pointe. Là, on avait l'autre derrière, ok. Et là, on aura fait un tout petit coup, là. Hein? Ben je vais le faire, on vient d'ouvrir la grande porte. Vraiment d'ergot vif. Faut te parler là? Can you hear me? Really? Eh oui, il est là. I can't believe you can transform.
transmit your voice through ergo waves. What a brilliant discovery! And you'll never believe what signal I've picked up over the ergo. A cry for help from the Grand Exhibition. Somehow someone survived. I'm suspicious too, but you have to investigate. What if it's some trapped innocent? Ok, on va aller faire ça. De toute façon, il va falloir se téléporter aussi. Parce qu'on a la bouteille de vin à rendre. Mais je veux juste aller voir derrière. Revenir un peu sur ce début de zone. Ah non, c'est directement le boss en fait. Y a rien dans les portes là. Ouais. Ah bah c'est un boss. Déjà. Donc non. Là, sincèrement, alors c'est joliment fait et c'est bien vu parce que il y a souvent ce genre de d'endroit un peu partout à Paris et autres, en Italie, enfin bref. Et c'est pas mal fait. Maintenant, ils sont pas embêtés en fait. Ils ont mis des gros boss, enfin des gros mobs gavés de points de vie. Et ça par contre, c'est bien plus dommage. C'est vrai que c'est bien dommage. Je vais aller aussi voir si cette fameuse bague m'aide pour pouvoir avoir de l'ergo. On va voir. Maintenant, bon. Alors, il voulait du vin, mais je sais plus où il était en plus. Je vais voir 115, bon, pas rien. 10%, 20%. Ils le disent ou pas? Non, il n'y a pas de tarif, il n'y a rien. Est-ce que je peux le voir là? Je peux voir vraiment, les bacs sont là. Avec un Y? Non, même pas. Bizarre. Non. Non, oh là là, mais qui avait besoin de vin? Pas là, j'avais personne. Et non, il y avait rien. Oh là, je sais plus. Ils sont flippants les bébés. Ils sont flippants les bébés. C'était pas là. Quelqu'un derrière une fenêtre. Est-ce qu'il y a des gens là? C'était ceux qui sont partis, il y a les flammes, donc c'est pas ça. C'est pas mal.
Je regarde juste en même temps combien il donne. 231, ouais, un peu plus quand même. J'aime bien cette zone. Mais là aussi, hein, quand on voit un clown gigantesque 4 fois plus balèze que nous arriver, ça n'a pas de sens. Si foutez là ce clown. Là, rien. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, bah écoutez, je vais le chercher dans mon coin. Je ne sais quoi dire. Là, il y a un vieux bébé, c'est tout, donc c'était pas ça. Même en me protégeant. Par contre, il faudrait vraiment un moyen de booster l'huile, quoi. J'ai des fenêtres. Voilà. Là non plus. Et là je peux pas y aller. Donc non. Et toi tu m'as pas ramené là pour rien en fait, donc non. Bon allez, je vais donc vous laisser, vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dirai à bientôt. On est déjà, je crois, à presque 54 minutes. Hein. Ça me prend un temps fou. Mais c'est pas grave. C'était pas par là. Ah, je sais plus. Allez, à bientôt.